Salut, c'est Troglobe, je me tais. Salut, c'est le Corbloc. Salut, c'est Catalion. Hi, Matelot, c'est Defroy. Et c'est parti pour un nouvel épisode de Visite 50-50. Avec Catalion, d'ailleurs. Et je me casse, d'ailleurs. Voilà, et je me casse, bande de con. La visite de Maison des Abonnés. C'est ça, visite des Maisons des Abonnés 50-50. Et on va commencer. On va commencer avec la maison de Nathan Jolien. Encore ? Je crois, on avait déjà fait une maison de Nathan Jolien. Je crois que la dernière fois on avait fait une de lui, hein. Je dis pas de conneries. Il me semble, oui. Il me semble. Impossible. Bon, ouais. Maison ultra moderne, hein. Ça c'est sûr, ça va pas changer. Petit flyer du début. Oui. Alors mon petit Troglobe, qu'est-ce que t'as à dire sur cette maison? À vue de nez. À vue de nez. Pourquoi moi? Parce qu'il fallait que ça tombe sur toi. Bah c'est très bien, c'est joli. C'est joli. J'aime bien, j'aime bien les côtés un peu mastoc des doubles épaisseurs là. Ouais, double mur, double toit, voilà. Double ça, sol. J'aime beaucoup, ça. Et en fait ça fait comme des... Enfin il y a des grosses baies vitrées, enfin je sais pas comment dire, ça fait des C un peu de partout quoi. J'aime beaucoup moi ça, ce principe là. Mmh, j'aime bien aussi la terrasse avec tous les bordures en arrondi un peu aléatoire. C'est pas mal aussi, sur plusieurs couches même d'ailleurs. Oui. C'est comme s'il ouais. avait suivi un peu le terrain naturel sur lequel il a construit son truc et qu'il avait découpé. Ouais, ça fait un peu cet effet, ouais. Ça, c'est sympa, ouais. Ah. Et il y a une bonne utilisation d'un truc que j'aime bien, moi, c'est les petites strilles ouais. dans les murs de neige avec les blocs 118 2.5 ou 6, là. 6, sûrement. Et ça fait des fines, fines rainures. Ouais. Et c'est vite de mettre des fenêtres, mais ça fait quand même ça à jour, quand même, et puis ça fait ultra design. Ça, c'est connu. Pareil dans les sous les cages d'escalier. Design. Ce qui est sympa, c'est que... J'ai essayé de les faire aussi sur la dernière maison que j'ai fait, j'ai à moitié foiré mon coup. Il faudrait que je fasse ça. Faut me mettre en face peut-être des fois, je sais plus. Coquelon, ah ouais, je vais essayer de faire un truc, enfin bon, voilà. Ouais, voilà. Bon, ce qui est sympa, c'est que le niveau 0 de la maison est surélevé. Donc après, en fait, t'as la piscine qui est sous je sais pas quoi, là, je sais pas quelle pièce de la maison. Et ça, c'est cool. Ah sur oui, d'accord. Grande ouais. partie. Oui, carrément. C'est l'air d'être une chambre. Du coup, la piscine n'est pas éclairée. Ah ouais, la chambre, bien en plus. Pas éclairée. Pas éclairée par la lumière du jour, quoi. Si, elle est éclairée par l'intérieur. Piscine. Oui, non, mais je veux dire, au niveau de la lumière du jour, quoi, suivant comment est orientée la maison. Ah, d'accord. Ah oui, il n'y a pas de lumière du jour qui va là-bas. Ouais. Bon, je mute. Après, au niveau du toit, c'est pas mal aussi, travail de toit. Toit en pente à la mamar sur la partie. Je ne sais pas quelle pièce c'est. On verra. Toit végétal ici. J'avais pas vu ça. Non, mais bien. On va rentrer dedans. C'est les grosses poutres qui tiennent les doubles poutres même qui tiennent le truc au-dessus de la piscine justement là. C'est pas mal ça. Ouais, carrément. Je pensais pas. On a pas eu l'avis de Catalion. Non, moi je suis là juste pour regarder. Alors attends, l'entrée principale elle est pas là. Hop. Ah bon? Enfin, moi je suis pas à la cage d'escalier blanche en neige. Le panneau, ah oui, peut-être. Oh, alors, et vachement... avec la table, la boîte aux lettres avec un crâne dessus. Normal, faites gaffe, les mecs. Ça, c'est des avertissements pour les facteurs. Là, il va sûrement y avoir un énorme tableau que je vais essayer de. Attention, crâne méchant. J'aime bien la table. La table est super design. Oui, c'est là, oui. Ça, c'est cool. Hein. Ouais, carrément. Voilà. Avec la cuisine aussi sur la même pièce et le salon dans la même pièce qui est très aéré. J'avoue, c'est. Open space, ouais, y a pas mal de place. Alors, ouais. Limite un peu vide même. Ouais, certains murs sont un peu vides. Le plafond. Le plafond a. Bon, le truc que je fais souvent, c'est vrai, avec des escaliers. Et que Gogo avait fait pareil en bois comme ça. Et là, il a mis toutes les teintes de bois. Alors, c'est pas mal. J'aime bien. Avec un gros système d'éclairage central. J'aime bien, ouais. Il doit avoir sûrement des tableaux là aussi. Bon, ça a volé évidemment. Ici, nous avons quoi? Ouais, chiotte, celle de bain. Ouais. La glowstone apparente, ça. Ça, c'est pas. Mais il y a peut-être des tableaux dessus, hein. Oui, voilà, les tableaux ouais. qui ont volé. C'est ça, toujours. C'est relativement c'est... vide, quand même. C'est relativement vide. Bah, c'est. Ouais, c'est épuré, quoi. Il y a beaucoup d'espace, et là, il doit y avoir évidemment des tableaux aussi. Ouais, peut-être qu'avec les tableaux, ça rendra beaucoup mieux. Hein. Je pense. Mais t'as le scroll. Un peu trop grand, ton écran. Ouais, voilà. Paye ton écran. Mal aux yeux. Avec cette de bain. Ouais, mais alors Nathan, je viens, je me demande si c'est pas la maison qu'on avait vue de toi la dernière fois, ou aussi à l'intérieur il y avait de grands espaces relativement un peu vides. Ah si, ça me revient, ça y est. Tu vois, j'aime bien le toit comme ça avec les poutres en quartz. Les poutres en quartz, c'est excellent, ouais.
Et d'ailleurs, ouais, il a mis la glowstone dessous, au-dessus. Et ça, c'est sympa. Ça fait de l'éclairage. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal d'étagères en fine pellicule de neige. Ouais. En classique. Classique. J'ai même pas vu s'il y avait une autre pièce. Non ? Si, si, il me semble qu'il y a... Ah, si, la pièce striée de l'extérieur. Bah, ah, bah, c'est une autre chambre. Voilà, c'est une chambre. Et je... Par contre, celle-là, elle est sympa. Voilà. C'est bien, ça, bien épuré, bien, par contre. Hein. C'est... Ouais. Oui, c'est sûr que ça fait très très grand. Un peu froid. De ce côté, j'aurais peut-être placé par exemple. Il y avait peut-être une des tableaux partout. Hein. Ouais. Il y avait peut-être des tableaux. Ouais, mais même pour donner du relief à un mur, tu vois. En ouais, plus, ouais, tu vois, il a des doubles murs. Petite télé, on a bien. Tu peux te permettre de faire des choses soit en faisant un trou, soit en faisant. C'est quoi, il a mis un bois. C'est du bois de junk qu'il a mis ? Non, c'est du bois normal. C'est du bois normal ? Classique. Et ben, tu peux te permettre de faire un truc comme ça. Tu vois, ça fait des petites rainures. Ouais. Et ça fait genre mode petite étagère. Ah ouais. Ça met du relief un peu au mur. Petite étagère. Bon, je te le laisse, Nathan, tu m'en voudras pas. Du coup, l'extérieur. Bah, on a déjà vu. Oui, on a déjà vu, il y a un billard extérieur. Avec... C'est pas beaucoup attardé sur la terrasse, par contre. Oui, la terrasse, voilà, c'est ça que j'aime bien cette petite table, ce petit parasol. Oui, j'avoue, très bien. Et avec le parasol, tu vois, qui transperce, on le voit passer à travers. La table, sympathique. Petit détail qui est sympa. Petit jacuzzi, à la bien. Petit water feature, à la bien. Tac, t'as vu. Et la pistoche, sous le... Avec double plongeoir. Sous la chambre, avec double plongeoir. Ouais. Parce que piscine paire. C'est comme les bateaux, ça fait des piscines imperceptibles avec les plongeoirs soient centrés. Vous faites des plongeoirs, oui, faites des plongeoirs de 2 de large, mais bon, ça fait master plongeoir quoi. Et les petites features en neige là qu'il y a et les poutres, ça fait sympa. Elles ont pas la même taille, pas la même largeur, pas la même profondeur. Ouais, c'est ce que je disais, les doubles poutres. Ça c'est des sympa. Des petites serviettes par terre. Non, bling. Bah écoute, bon. Bien Nathan Jolien, merci pour ta maison. Nathan Joly. Tu as bien fait tes devoirs. Un bon garçon. et on passe à la maison d'à côté là. On passe à la verte et blanche. Et ça, c'est peut-être du Noxinou. Du Nox. Peut-être. Noxinou. Je sais plus où est-ce que j'ai mis la pancarte LOL. Là. Ouais. Et c'est ça, Noxel c'est 13. Noxel 13. Et chaîne YouTube Noxel 12. Narmol. Comme d'habitude. Oui. Donc c'est Noxel, c'est ça. Donc c'est Noxinou, pour les intimes. Alors. Mais non, mais en fait ça correspond à l'année. Il a créé sa chaîne en 2012. Tu termines ta phrase à la fin de l'épisode, s'il te plaît. Ah, il a mis un mot aussi sur le, ah, sur le mur. Je vire la pluie. Il a mis un mot sur le mur. Enfin, ça fait des lettres, ces fenêtres font des formes de lettres, en fait. Ah oui. Si tu regardes. Hi-hi. On dirait qu'il rigole. La fenêtre rigolote. Hi-hi. Ah oui, carrément. Maison de Noxel, donc toujours beaucoup de travail de façade. Hein. Ah, j'adore ce pilier là. Le pilier végétal. Ouais, voilà. Ce pilier, il est juste décoratif, mais tu vois, il y a plein de trucs dedans. Enfin, c'est génial. Non, non, mais carrément. Hein. Il a des très bonnes idées. C'est comme cette feature d'avancée, de préau, on va dire, qui protège un peu du soleil, mais qui est surtout là pour décorer. Ouais. Avec le pilier en serpentin et l'avancée, tout ça en fait en bois, en spruce wood. Avec le petit terrain de basket là, le panier qui est bien foutu. Ouais, le terrain de basket, ouais, carrément. Basketball. J'adore le panier surtout. T'as vu, ouais. Ah, glace papa. Ah, nickel. Après, c'est quoi du panneau et de la toile d'araignée, et puis c'est réglé. Hein. Ouais. La raquette. Non, mais tout y est. Hein. Impec. Ouais, que... et puis après, travail de façade, toujours, il y a plein de trucs différents. Un bec de bec. J'aime bien tes choix de couleurs aussi, en général. Tu vois, souvent dans le gris-vert-blanc, gris-marron-blanc, gris-vert-marron-blanc. T'aimes bien le vert. T'aimes bien le vert aussi, ouais, en général. Mais j'aime bien, moi. Il y a toujours les stries, comme tu disais, sur les grands murs blancs. Ouais, comme ça, bah ça évite de faire... Et tu vois, en haut, il a une petite... ce qu'on appelle, je crois, une clear story. C'est ça, clear story en anglais. Je crois que c'est ça, ouais. Et c'est une fenêtre qui te permet de faire rentrer de la lumière, mais tu vois pas à travers parce qu'elle est toujours positionnée de telle manière. Toute que fine et tout, bien. Ça, c'est 10. Oh là là, et si tu regardes sur le toit, il y a la skyline. Il y a une skyline en virage, ouais, qui fait double, triple skyline. Ah, ouais. C'est ça. Ferra serait content.
Et, et ouverture aussi sur le toit, beaucoup d'ouvertures quoi, maison très lumineuse sûrement. Ça j'aime bien ça. Et le toit en pente à la mamar, on va dire que c'est... Avec un mur d'eau aussi derrière la, la vitre, pas mal. Un mur d'eau ? Enfin, à moitié. Ah oui. Ah, pardon. Et ok, bah écoute, on va rentrer hein. Ouais. T'allais dire un truc ton globe ? Non, j'allais dire, j'avais utilisé ce principe pour faire toute une vitre moi, comme ça. Pourquoi pas, oui. Alors, alors big espace quoi. Ah, qu'est-ce qu'il nous a mis au sol là? Oh, il a nous a mis du mycélium. Ah ouais, du mycélol. Là. Ah ouais, ça fait sympa. Ah, ah ouais, tiens. Non, avec le flow, c'est un peu violet. C'est pas moche. C'est un peu de tapis qui pue, hein, parce qu'il y a des parties qui sortent. Ah ouais, c'est ouais, bah il est pas lavé depuis longtemps quoi. Je veux dire, il y a quand même 11 blocs de hauteur de plafond. Faut désactiver des particules. ouais, ben ouais, il y a beaucoup de hauteur de plafond. On se croirait dans un loft. Mm. Ah oui, voilà, ouais. Dans un loft avec la petite mezzanine en face. Et puis, ouais, non. La cuisine est stylée, hein. Ouais. La cuisine est super stylée. Ah, c'est la cuisine. Avec oui, la hotte volante. Ça, c'est pété. Ouais. Hotte Bluetooth. je sais pas s'il y avait. Ça m'étonnerait qu'il y ait. Ça existe ces trucs comme ça? Ça m'étonnerait que t'aies fait ça, Nox. Non, des trucs qui volent. Non, ça m'étonnerait, ouais. Bon, ça peut-être fait. Peut-être un pilier de cobble. Je sais pas. Affiné, je sais pas. Ah, oh. Attends, mais qu'est-ce qui pourrait disparaître? C'est pas la cobble qui disparaît. Bah non. Non, mais non, y a rien qui peut disparaître. C'était comme ça, c'est tout. Bah écoute, ouais, on va dire. Ou alors c'était des blocs qui ont bugué qui étaient là. Non, c'était comme ça. Non, mais écoute, Nox, tu nous diras dans les commentaires. Non, il a de l'imagination. C'est non, mais voilà, c'est bon. Moi, je vous emmerde, je fais des hoots. C'est une maison ultra moderne. Alors, c'est une maison avec des hoots Bluetooth. Ou alors, c'est des filtres qu'il y a dans cette hoots et que tu enlèves. Bah, voilà. Je sais pas. Donc, du coup, on est un peu bas ici, mais c'est pas, bon, c'est pas très grave. Avec les lampes là sur le. Comment ça s'appelle? Le plafond? Oui, voilà. Les lampes en beacon avec les petits murets à différentes hauteurs. C'est encore plus sympa quand tu fais encore plus de différences d'hauteur. Une qui descend vraiment bas, une qui est. Mais l'idée est vraiment sympa quoi. Coin DJ. Ah, c'est ça le coin DJ. Il y a un petit détail aussi sur le parquet. Il y a des pistons. Ah, la water feature au-dessus, en dessous plutôt. Il y a quoi sur le parquet? Il y a des pistons. Et voilà, il y a des pistons un peu aléatoirement. Parce c'est que pas mal. Ça change. Ça fait sympa et puis surtout qu'il a mis de la glowstone. À travers, je pense, pour certaines. Ouais. Non mais lol. Ici par exemple. Ah, ça laisse passer la lumière, les pistons, du coup. Oh là là. Non, il fallait pas faire ça. Oui, c'est des blocs transparents, les pistons. Mmh. D'accord. Et donc, ça, c'est sympa. Ouais, tapis, ouais. Petit arbre au milieu de la maison, normal. Hein. Normal. Avec la water feature au-dessus, en dessous, là. Ouais. Ouais, au niveau du sol. En place. Ça, c'est sympa. Ça donne encore plus de profondeur à la pièce. Complètement. Il y en a déjà pas mal, à la base. Ouais. Petit coin salon avec télé ultra moderne. Un peu haute. Un chouïa haute, peut-être à la place des escaliers, ouais. Et mettre les escaliers au-dessus. Mais non, mais c'est super bien fait. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, ouais. Pour les bateaux, pour revenir à ce qu'on disait dans l'épisode des yachts, hein, inspirez-vous de ce que font les abonnés dans les maisons pour le faire aussi dans les yachts. Hein. Alors, regarde aussi, il y a toujours une feature en dessous, la table. Ah ouais, pareil, ouais. Ah, c'est nickel ça. C'est le 12. La maison pétée. Ah, mais c'est cramé. Ouais. Il y a plein d'espèces de partout. Quoi. Une maison dans laquelle il y a la hotte de la cuisine qui vole. Bah oui. La hotte Bluetooth, oui. Petit billard, Narmol. Oh, le bâtard feature. Là on a accès jardin. Ah oui d'accord. Là où il y a le. Là il y a la. Ouais, la terrasse. La salle de bain là dans le coin où il y avait des stries en blanc. Ah bon? Oui. Comme ça t'as tous les courants d'air, c'est génial. C'est parfait. Ah bah ouais. Ah, hauteur de plafond quoi. Ça doit bien résonner là-dedans. Oh le chiotte en diamant quoi! Oula! Tout à le luxe ici! Ouais, c'est ça! Hein. Luxe, je suis trop mid! Ah ouais, d'accord! En diamant! Et la cage d'escalier elle est vachement sympa parce que pareil, t'as une grosse feature en végétal. Ah ouais, la cage d'escalier est top! Plein de végétation dans la cage d'escalier! Ça permet d'arriver. Il y a un lion qui est en train de se noyer! Suicide! Et sur la mezzanine, on a des placards, évidemment. Des placards lol. Ah bah ouais, une chambre avec le portable sur le lit. Ah oui, toujours, ouais. Et tu vois là, si tu voles, bon bah t'as l'ouverture en glace là qui te permet de faire entrer la lumière, et toute la feature en glace panel là tout autour, tu vois, ça c'est une clear stories.
Et ça te permet de faire rentrer de la lumière et tu vois pas, on te voit pas et tu vois pas à travers. Et c'est vraiment sympa pour faire rentrer la lumière. J'ai du poulet. Du poulet. Ah, du poulet. Chapoulet. Encore un salon avec une télé moderne. Kiwi. Il y a plein d'idées. Hein. Et il aime bien les. Enfin, je crois que c'est pas la première fois qu'on a remarqué qu'il aime bien la hauteur de plafond, le côté assez ouvert, assez loft hein, de Noxel. Ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Avec la. Toujours la fenêtre Hihi là. Et là, la fenêtre Hihi qui donne sur le coin PC. Double coin PC. Ah la vache, oui. Non, mais c'est la maison de riche quoi. Oui. J'ai pas vu si. Oula, gigalag. J'ai pas vu s'il y avait eu un. Il y a un basement. Il me semble. Un quoi? Un sous-sol. Ok. Il me semble pas. Il me semble pas non plus. Je crois que. On a tout vu, ça y est. Il me semble pas, ouais. Je vais checker. Je crois pas non plus. Ouais. Non. Attends. Bon. Ça a pas l'air. Bon, il a lancé des cookies. Du coup, on est à combien de temps de vidéo? Je pense qu'on est bien là au niveau timing. Ouais. Ah merde, ça c'est la salle de bain. Je pense qu'on est pas mal au niveau timing. Il visite déjà la maison. Attends, en face. On a un truc. Non. Pas de temps à perdre, les gars. D'ailleurs, la maison en face qui est en arrondi, jaune et blanche, c'est Noxel 13. Qui est parti en cacahuète. On vous laisse sur cette vue pour la fin de la vidéo. Moi, je la montre même pas. Là, finalement, je suis un rabia. À la faute. Ok. Merci à tous. Merci à Kata de son. Et puis n'hésitez pas à liker, partager et nous envoyer encore des maisons 50-50 sur flakgmail.com. Oh, je l'ai pas dit dans le bon sens, flakserver.gmail.com et @gmail.com. Et d'ailleurs, il y a le nouveau concours aussi. Donc, et il y a toujours le concours. Alors, Seria. Et oui, alors si on upload cette vidéo avant la fin du mois de septembre. Ouais. Si on y arrive, mais normalement, on devrait y arriver. On devrait y arriver. Bon, ben, merci à tous. Ciao. De rien. Ciao. Salut.